toujours entre deux, des crochets réalisés. Dans l'autre, tu as perdu un espace. Tu n'es pas face au but, tu prends ta chance. N'hésite pas. Tu vas entraîner 2, 3, ça peut donner une chance au but. Tu es constamment en mouvement, en déplacement. Quand on perd le ballon, il est tendu comme tu te sens. Tu peux pousser, tu peux gérer, tout, mais tu veux que de rétablir un tableau. Et si tu en as récupéré, tu prends l'espace. Grégoire Nkama explose tous les compteurs. Une régularité, une explosivité sans pareil. Le numéro 9 de Zuimento terrorise les défenses et impressionne les observateurs. Grégoire Nkama s'est déjà mis les supporters dans la poche. Avec une moyenne d'un but tous les deux matchs, Grégoire est passé par le Tonnerre Calara Club Achille de Sa et il a eu un bref séjour en Guinée équatoriale. C'est quelqu'un d'important dans une attaque, c'est un joueur de plus-value dans une attaque et bien évidemment, il est important. On peut l'utiliser dans un 4-4-2, dans un 4-3-3, en attaque. International à prime. L'une de ses principales qualités est son aisance technique et sa disponibilité. Au cours d'un match, il est capable de vous faire des choses extraordinaires et de faire aussi des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Il est capable de passer 80 minutes dans un match, vous ne le voyez pas. Mais quand il touche au ballon, c'est un bon dribbleur. Il a cette qualité-là. Il a une qualité d'enchaînement exceptionnelle qu'on ne retrouve pas. Un peu à la Van Basten. On dit que dos au but, Nkama est capable de vous prendre un ballon d'amortir et de se retourner instinctivement et de cadrer le ballon sans problème. Il a une bonne pointe de vitesse. On dit que quand vous le voyez, il est d'une nonchalance, vous le négligez quand vous le voyez. Mais lorsqu'il est sur le terrain, il explose. Meyong qui se joue, on nous fait le centre à retraite. Nkama, Nkama récupère, la frappe, Nkama toujours non. Nkama, qu'est-ce qu'il fait Nkama? On va le suivre dangereusement. Nkama qui est lancé, oh là là Nkama, le deuxième but. Oh là. Qui compte les résultats du club et non mais les buts que je marque, quand le club gagne, je suis très content, même si je marque pas, mais on enregistre 3 points au compteur et on a un objectif à atteindre, et si on l'atteint à la fin de la saison, je serai encore très content. Plus marqué. Au final.